Odessa la vie, c'est un duo qui nous a réunis par l'envie de jouer de la musique klezmer, parce que c'est une musique qui nous passionne depuis pas mal d'années, chacune avec notre parcours. Donc on a eu envie de jouer cette musique avec nos instruments, l'accordéon et la clarinette, et de réinterpréter des mélodies et des morceaux traditionnels en ne voulant pas forcément en faire quelque chose d'autre que de les jouer de manière traditionnelle. Donc à chaque fois qu'on les joue, c'est un peu différent, c'est un peu en fonction du moment, la musique change. Voilà, et c'est ça qui nous plaît dans cette musique. On présente ce duo dans le cadre des jeunesses musicales, entre autres pour l'idée de jouer de la musique instrumentale traditionnelle, acoustique, devant des jeunes qui peut-être n'en écoutent pas ou pas souvent, et d'avoir ce côté très direct et immédiat de la musique qui arrive directement dans les oreilles des gens sans qu'il y ait d'interface entre les deux. Et voilà, et l'idée que il y a des traditions comme ça que les gens connaissent pas, mais peu importe, et peu importe aussi que les gens qui les jouent ne soient pas de cette tradition-là. Donc c'est un peu l'idée de la liberté de se dire, ok, on n'est pas d'une culture, mais on aime et on a la passion de cette musique, donc on peut la jouer. Donc c'est aussi pour donner ce genre-là. Et aussi, c'est une musique qui, à 99%, est interprétée par des hommes. Et donc, le fait qu'on soit des femmes, ça donne aussi un message subliminal que les choses peuvent évoluer à ce niveau-là et qu'un répertoire ou des instruments qui sont, entre guillemets, plutôt masculins traditionnellement peuvent être joués par des femmes.